Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez vu dans le titre, Unboxing Diamond Painting bien sûr. Alors en partenariat avec la boutique Gutfeld, voilà. Donc j'ai reçu aujourd'hui donc un petit paquet, voilà, qui était dans la boîte aux lettres. Bon, qui est un peu coincé. Heureusement, bon, il n'y a rien d'abîmé, mais il était encore un peu coincé. Et la grandeur. Je vais taper. Pourtant, j'étais là, hein, comme d'hab. En plus que c'est le confinement, je suis encore plus à ma maison que d'habitude. Bon. Enfin. On va rien dire, hein. Passons. On aura beau dire quelque chose, ça changera rien. Donc voilà, la conversation que j'ai eue avec la boutique Gutfeld a eu lieu le 21 octobre. Donc ils ont fait l'envoi le 22, je crois, le 22 ou le 23. Donc on est le 3 novembre, donc ça a mis 10-12 jours pour arriver. Donc, nickel, pas de souci. Donc, j'avais à choisir ce que je voulais, bien sûr, pour un montant prédéfini avec eux. Et donc, j'ai pris des... Alors, c'est pas des grands kits cette fois-ci, ça va être des petits moyens. Voilà, et puis j'ai pris autre chose qu'un kit, donc que je vais vous faire découvrir... parce que j'en avais besoin, voilà. Et en même temps, ça me permet de voir la qualité et de vous la montrer si jamais vous auriez besoin aussi de cet article-là. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, un kit. Deux kits. Trois kits. Quatre kits. C'est tout. Voilà. Et ça, c'est le cinquième article. Alors, comme vous avez vu, les paquets sont pas très grands. Vous voyez, pour une fois, ce n'est pas des grands. Ce sera des petites récréations. Alors, on va commencer par le premier. Allez, le premier qui vient. Un petit ciseau. On va y aller en douceur. Ben voilà, au moins... Enfin, j'allais dire, au moins j'ai du boulot. Non, j'en ai derrière. Hein. De toute façon, vous voyez là déjà, on voit déjà les actions. Et à côté, tous les autres kits. Voilà, attendez. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Là, tout le paquet là. Alors, voilà, tout ça ici, là. Tout ça, les actions ici. Donc, tout ça, c'est des kits. Donc, j'ai compté l'autre jour, je crois qu'il y en a une trentaine. Je vais me transformer en pieuvre. Ouais, transformé en pieuvre. Bon, sur une trentaine, il y en a trois chouchous. Ouf, j'en aurais moins à faire. Voilà, et ben ça y est, j'ai réussi à ouvrir le premier. Alors, le premier, c'est quoi? Je ne sais pas. Ah oui. Oui. Je sais. Alors, celui-là, c'est un 30-40. C'est un 30-40. Et si je... Oh, je croyais qu'il était collé. J'ai eu peur. Et si je ne me trompe pas... Non, ça va.
Oui, c'est des perles rondes. Donc, comme d'habitude, hein, le petit kit que je ne présente plus, on le connaît par cœur. Et les perles rondes en sachet chapelet. Sachet chapelet. Pas facile à dire, hein, tiens. Sachet chapelet. Bon. Alors, je cherche le bout. J'ai perdu le bout. Ah, le bout. Le voilà. Alors, j'ai combien de couleurs? 18 couleurs. Ça, c'est là. Bon, c'est pareil, que je commence par la fin ou par le début. C'est la même chose. Du jaune, du rouge, un beige, un marron, un petit orange, non, un marron clair, un beige très clair, encore un rouge, un vert, encore un marron, un orangé, un autre orangé, un orange encore. Désolé, les couleurs redonnent pas bien là. Là, c'est un rouge un peu foncé, mais on le voit un peu clair là. Donc, là, c'est du noir. Ouais, je crois que c'est du noir. Non, ça va, il n'y a pas beaucoup. Un autre rouge. Une autre sorte de marron. Et un marron foncé. Voilà. Donc, des jolies couleurs. Il n'y a pas l'air d'y avoir de problème dans les perles. Bon, de temps en temps, une perle d'une autre couleur. Mais bon, ça, c'est pas grave. Il y a pire, hein, dans... Hop. Voilà. Donc, ça, je remets dans sa petite pochette. Voilà, hop, hop. Alors, la toile est nickel. Ça, c'est rien, c'est de la colle. Voilà, c'est parti. La toile est nickel, voyez. Et le... Oh. Et le dessin est nickel aussi. Tiens, je vais faire autre chose aujourd'hui. Ah mince, vous l'avez vu là. Bon. Alors, je vais vous montrer l'impression. Je vous montre le dessin vraiment en dernier. L'impression est bien. Et au niveau colle, ça colle. Et voilà le dessin. Donc, des roses. Donc, sur le site, bien sûr, je l'ai vu fait. Il était très, très beau. Donc, j'ai dit, je vais le prendre. Bon, c'est rare que je prends des fleurs. Hein, mais celui-là, je l'ai trouvé très joli. Voilà. Donc, deux roses. Donc, en 30-40, en perles rondes. Voilà. Non, on va le remettre dans sa petite pochette. Je range tout de suite pour pas faire comme... L'autre jour, je vais tout laisser en plan. Et il fallait que je range tout. C'était une galère après. Bon, par contre, les kits, je les range plus dedans après. Hop, voilà. Et je mets dans sa pochette. Et dessus, je marque tout de suite ce que c'est. Voilà. Donc, c'est les roses. Donc, Gutfeld. Et maintenant, je marque la date que j'ai reçue. Comme ça, je sais...
Bah les, je sais les plus anciens, les plus récents. Sinon, après, je ne sais plus. Ensuite, alors, je prends à la suite. Bon, je ne sais plus, hein, enfin, j'ai marqué ce que c'était sur mon cahier, mais je ne vois plus ce que c'est les dessins dans ma tête. Je ne sais plus, je ne sais plus. Celui-là était déjà craqué. Voilà. Ah oui. Alors là, vous allez rire. Vous allez dire, ça y est, Didi, elle retombe en enfance. Mais bon. Donc, le petit kit, comme d'hab. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, les couleurs. Donc, c'est des perles rondes. Donc, je vous montre les perles d'abord. La calvaire, je rigole. Bon, par contre, le fond, je vais galérer pour le fond. Je vais vous montrer pourquoi en vous montrant les perles. Alors, bon, ça va, du noir, il n'y en a pas beaucoup. Alors, j'ai du noir, du gris un peu plus foncé, encore un autre gris, un rouge, et là, un bleu, bleu, bleu. Donc, trois paquets pareils, vous avez vu la grosseur du paquet. Ça, c'est le fond. Donc, je vais m'amuser. Ça, c'est un bleu marine. Un bleu marine, mais un peu plus clair. Et du blanc. Voilà. C'est un vrai blanc, hein, je crois. Je crois. Ouais, à peu près. Oui. Je pense. Non, c'est pas un vrai blanc, mais bon, c'est presque le blanc. Alors, vous allez dire, ça y est, Didi, elle a pété un câble. Ouin, ouin. Mais pourquoi elle a pété un câble, Didi? Didi, elle est retombée en enfance. Mais voilà. Alors, la toile est nickel, hein, il n'y a pas de souci, comme d'hab. Voilà. Alors, pourquoi je suis tombée en enfance? Alors, dans ce qui est dessin animé, j'ai deux amours. Deux, comme ça. J'ai deux amours. Le premier, vous le connaissez déjà, c'est Betty Boop. Là, là, là. Betty Boop, mon grand amour. Et mon deuxième amour, c'est Snoopy. Moi, j'aime bien Snoopy. Moi, j'aime bien. Snoopy, c'est mon toutou préféré quand j'étais petite. Oui. Et quand j'étais grande aussi. Voilà. À 18 ans, j'avais encore une peluche de Snoopy. Si, si, si. Ça y est, c'est le confinement, j'ai pété un câble. Ah si, et en plus, c'est vrai, à 18 ans, j'avais encore un Snoopy, enfin pas en peluche, en tissu. Voilà. J'adorais Snoopy. Il est beau, hein? Alors quand je l'ai vu, j'ai dit, oh, je vais prendre Snoopy. J'aime trop. Trop beau, Snoopy. Youpi. Oui, mais ça m'arrive de temps en temps. Donc je ferai Snoopy. Voilà. Bon, celui-là, quand il sera fini, encadré, bon, il ira dans mon atelier. Je ne vais pas le mettre dans ma salle à manger ni dans ma chambre.
Mais il ira dans mon atelier. Voilà, avec la Betty Boop. Voilà. Puis regardez, il a un joli cœur dans les bras, dans les papattes. Mmh. Alors, j'ai pas dit combien il avait de couleurs, mon Snoopy. 10 couleurs, Snoopy. Voilà. Ils aiment beaucoup. Je vais galérer avec le fond parce que c'est la même couleur. Youpi! Ça vient les filles, hein? Le boubou! Je suis contente, j'ai mon Snoopy. Nana. Voilà. Youpi, j'ai mon Snoopy. Comprenez pourquoi des fois je fais pas les vidéos devant Chouchou. Alors, Snoopy. Gutfell. Et on est le 3/11/2020. Voilà, Snoopy. Bon, allez, on retourne dans le monde réel. 57 ans. Et elle aime les Snoopy. Ben oui. Il n'y a pas d'âge, hein. Voilà. Il n'y a pas d'âge. En plus, mon Snoopy que j'avais en tissu, j'avais des, non, j'en avais des autres, mais celui que j'avais en tissu, j'avais ramené d'Angleterre. Vous savez, les voyages qu'on faisait en Angleterre avec l'école. Donc, j'avais fait un voyage en Angleterre quand j'étais en sixième. Donc, j'avais en sixième, j'avais 9 ans et demi. Oui, je sais, j'étais très jeune. J'étais très jeune au collège. J'avais 2 ans, presque 2 ans d'avance. Et donc, j'avais ramené d'Angleterre. Et j'y tenais. Je ne sais plus ce qu'il est devenu. Après, après 18 ans, je me suis mariée la première fois. Et puis, ben, j'ai perdu mon Snoopy. Sniff. Plus de Snoopy. J'ai plus de Snoopy. Sniff. Bon, allez. Le troisième. Alors, le petit kit, comme d'hab. Il commence à faire noir, hein. Vous ne trouvez pas? Alors, attendez. Je suis peut-être allumée. Ah, voilà. On se voit mieux. Et toujours en perles rondes. Je crois que je n'ai eu que des perles rondes. Ouais, le dernier, je crois que c'est les diamants spéciaux. Alors là, c'est un 30-40. Je crois que le Snoopy, je ne vous ai pas dit la mesure. Je ne pense pas. C'était un 30-30 pour le Snoopy. Alors. Voilà les coupeurs, j'allais dire. N'importe quoi. Donc ici, un 30-40, il y a 19 couleurs. Alors, du violet, du gris, il y a plusieurs sortes de violet là. Alors, violet, noir, un gris, un autre gris, un bleu, un violet, un gris. Un marron, violet, un vert, un gris très clair, un bleu marine, un vieux rose pâle, un gris foncé, un violet
et un bleu ciel. Voilà. Voilà les couleurs. Elles sont jolies, hein. Bon, là, niveau encadrement, pour les petites, là, c'est mort, hein, pour l'instant. Puisque Action est fermée, de toute façon. Bon, j'ai vu qu'il y avait des Actions qui ouvraient. Alors que, normalement... sur leur site, c'est marqué fermé. Mais j'ai vu qu'il y en avait qui s'ouvraient. Mais qui bâchent les rayons loisirs créatifs, déco, tout ça a été bâché. Donc, mais bon. Nous, il est fermé complètement. Donc, je disais 19 couleurs, hein, 30-40. Les couleurs, vous venez de les voir. Et niveau toile, bah, c'est comme d'hab, hein, il n'y a pas de problème. Et nickel. Donc toujours le petit coup de fer, hein, pour enlever les plis de l'emballage. Et voilà le dessin. Joli papillon. Voilà. Un joli papillon. Eh ben, donc là, il y aura. Ça fait des fleurs ici. Ici en bas aussi. Ça ne se voit pas très fort là parce qu'il n'y a pas les perles, c'est vrai, mais. À la fin, je vous remets les dessins. À la fin, ou juste à chaque fois que je vous montre le kit, je verrai comment je fais au montage. Mais une fois qu'ils sont finis, ils sont vraiment très, très beaux. Voilà. Donc, pareil, à niveau impression, c'est toujours nickel. Vous voyez, il n'y a aucun problème. Et niveau colle, ça colle. Donc, voilà. Chercher après les perles. Voilà. Et le dernier, donc pas le dernier article, mais le dernier kit. Donc là, c'est papillon. Papillon de lumière. Vous vous rappelez de cette chanson? Qu'est-ce que c'était nul? Ah là là. Oula, je vois qu'il y a le temps qui tourne. J'ai mis du linge à sécher dehors. Il va falloir que j'aille vite le rechercher. Bon, mon chouchou va le voir, il va y aller. Oui. Ben, d'habitude, c'est lui qui prend le linge. Mais aujourd'hui, c'est moi qui y a été, puisqu'il n'était pas là ce matin. Il y avait une course à faire. Alors, le dernier. Ah oui, c'était ça. Ah oui, c'était ça. Ah oui, il était beau. Donc, je n'ai que 8 couleurs. Le petit kit. Je vais me prendre une boîte à chaussures. Je vais mettre tous ces kits dedans. Et les perles. Alors ici, ce ne sont plus des perles, mais des diamants spéciaux, des strass. Donc voilà. Donc j'ai dit qu'il y en avait 8, hein, c'est bien ça. Oui, il y en a 8. Alors. Donc, là, ce sont des strass couleur diamant, donc blanc. Là, orangé. Là, des jaunes. Là, des demi-perles blanches. Là, des petites gouttes d'eau, toutes petites, mais couleur violet. On ne voit pas bien, là, mais... Là, elles sont un peu plus grandes. Voilà, des jaunes. Je mets comme ça pour que vous essayiez de voir un peu. Là, des demi-perles, mais plus grosses, blanches. Et ici, des grandes
Voilà, comme ça. Couleur diamant. Donc, voilà les 8 couleurs de Strass. Pour ce dernier kit. Oh, il y a des paillettes. Non, ça s'en va pas. J'ai la toile derrière qui est toute brillante. Je ne sais pas si vous allez voir, mais... Vous avez un peu... Elle est toute pailletée derrière. Ouais. Il y a plein de paillettes. Il y a plein de trucs qui brillent derrière. Bon. Et donc, c'est une 40-30, 8 couleurs. Ta-da-da-da. Et voilà. Voilà la dernière. Toute jolie. Donc, c'est ses cheveux qu'il faut faire et son col ici. Elle est belle, hein? Elle est toute belle. J'aime beaucoup celle-là aussi. Voilà. Donc ça, c'était la dernière. Voilà. Donc, je crois qu'elle va être pas mal quand elle sera finie. Attendez, je vais plier à l'envers. Parce que comme il y a déjà des plis. Voilà. On ne va pas lui faire des plis supplémentaires. Donc, on va le marquer dessus. Gottfell, voilà, comme ça, elles sont déjà notées et je sais ce que c'est. Voilà, donc pour les kits, vous avez vu. Maintenant, le dernier article que j'ai choisi. Oh, il y a un arc-en-ciel. Oh, attendez, je vais vous montrer. Regardez, j'ai un joli arc-en-ciel devant ma fenêtre. Oh, il y en a deux même. Regardez. Sans le... Ouais, il y a deux arcs-en-ciel l'un à côté de l'autre. Oh, c'est cool. Ça veut dire qu'il vient de pleuvoir juste à côté. Je viens de descendre en catastrophe pour ramasser mon linge. Trop tard. Il est trempé. Bon, tant pis. Bon, vous aurez vu l'arc-en-ciel. Alors, je disais, donc le dernier article, c'est pas pour du diamond painting. Voilà. Vous savez que je fais de la broderie aussi. Et donc... J'avais besoin d'une boîte pour ranger mes fils. J'en avais avant, mais bon, c'est pareil, comme je ne voulais plus refaire de broderie. J'avais revendu mes boîtes, j'avais tout revendu. Et bien maintenant, je rachète. Enfin là, bon, je l'ai eu en partenariat, c'est pas pareil, mais enfin, j'ai repris une boîte. Pour la broderie, je suis soufflée. En plus, ça fait... Alors, on est le 3. J'ai arrêté de fumer. Donc, voilà, ça y est, j'ai commencé. Donc, le premier. Donc, je suis à mon troisième jour sans cigarette. Bon, je vapote. Je vapote. Papa, hein? Et j'ai bien fait d'arrêter de fumer parce que la Belgique, puisque moi, je suis frontalière... Côté France,
la Belgique a décidé aujourd'hui de fermer tous ses magasins de tabac. Voilà. Donc j'ai bien fait d'arrêter. Mais enfin bon, il y a des magasins qui ont mis comme nous en France, le click and collect, voilà, pour le tabac. Mais bon. Alors, donc voilà. Mais bon, ça fait quand même. Bon, je ne peux pas encore avoir mon souffle de jeune fille, hein, au bout de 3 jours sans cigarette. Voilà, la boîte. Mais bon, celles qui brodent connaissent, hein, savent ce que c'est. Alors, c'est une boîte avec 100 pièces. Donc, il y a la boîte. J'ai dans la boîte. Hop, hop, hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 petits paquets comme ça. Et dans un paquet, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, il doit y en avoir 10. Oui, il y a 10. Alors, donc, il y a une centaine de cartonnettes comme ceci, donc en plastique, pour y ranger donc ces fils à broder. On les a en échevette et donc on les remet sur les petites cartonnettes comme ça. Donc, celles-ci sont en plastique. Donc, là, ce que je ferai. Je commanderai chez Amazon une planche d'étiquettes, de stickers DMC pour mettre sur les cartonnettes. Voilà. Alors ça, j'ai jamais eu. Donc, bon, moi, j'ai toujours fait à la main, hein. C'est pour... Je crois que je regarde comment ça fonctionne. C'est pour faire ces cartonnettes justement. C'est pour pouvoir les enrouler. Bon, alors attendez, je cherche le bout. Je cherche le bout. Où le petit bout? Où es-tu? Il est là. Il est encore là, la cordienne. Voilà. Par contre, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Je sais que sur le site, c'est marqué. Donc, je regarderai. Voilà. Et donc, avec ça, avec la petite manivelle, je crois qu'on enlève là. Ouais, ah ouais, d'accord. Alors, je crois qu'on prend. Donc, on prend une cartonnette, bien sûr. Bon, j'ai pas de fil à broder ici en haut. C'est bête, sinon je vous aurais montré. Mais là, bon, vous êtes surtout des diamants, des personnes qui font du diamond painting. Donc voilà, on met sa cartonnette. Ici. Voilà. On met le trou devant le trou. Mets ça dedans. Voilà. Ça se fixe là-dessus. Je sais. On peut le fixer là-dessus, comme ça. Je sais qu'on fixe là-dessus, mais comment, je ne sais pas. Bon, je regarderai. Voilà, et puis on tourne, voilà, et puis le fil se met. Je regarderai quand je vous ferai la vidéo. Ça a sauté là-bas. Quand je ferai la vidéo. Quand même chercher, sinon je perds le morceau. Je ferai la vidéo broderie, je vous montrerai. Viens par ici, toi. Oh là.
je vous jure. Hein. Quand il y a une bêtise à faire, c'est moi. Voilà. Hop. On va remettre. Et là, donc, j'ai encore des intercalaires pour finir dans le... pour mettre là. Puisque eux, ils avaient mis... Il y a un petit problème. Voilà. Puisque eux, ils avaient mis ça dedans. Voilà. Hop, on va remettre ça dedans. Et voilà. Donc, j'aurais plus qu'à m'amuser à faire mes petites échevettes. Voilà, on le ferme. Hop. Et c'est bon. Ni vu ni connu. Alors, voilà. Donc, ils vendent ces boîtes-là. Ils vendent un petit peu de matériel pour la broderie. Ils vendent aussi des broderies un peu. Voilà, mais comme j'avais besoin d'une boîte comme ça, j'ai dit je vais la prendre pour voir ce que ça donne. Et donc voilà. Alors comme ça vous aurez vu, donc comme d'habitude je vais vous remettre en barre d'infos tous les liens nécessaires et utiles, le lien de la boutique, le lien de tous les kits, le lien de la boîte à broderie. Voilà, je vous remets tout ce qu'il faut, comme d'habitude, en barre d'infos. Voilà. Et puis voilà. Bon, aujourd'hui en prime, bah, vous aurez eu un petit arc-en-ciel. Là, ça y est, il est parti, il n'est plus là. Le ciel se dégage maintenant. Il y a un petit coin de ciel bleu maintenant. Je vais ranger toutes ces kits. Je les mets dans une boîte en ce moment, mais j'en ai plein. Je commence à ne plus savoir à quoi en faire. Mais bon. J'avais un autre truc à vous dire, mais je ne sais plus quoi, comme d'hab. Allez, je vais vous laisser. De toute façon, j'attends encore des colis. Je suis en train de regarder ce que j'attends encore. Ça j'ai reçu, ça j'ai reçu, ça j'attends. J'attends deux colis encore. Voilà, ouais. Ouais, j'attends encore deux colis. Ouais, pour l'instant j'en attends deux. Donc c'est bien. Et après, bah, on verra. Hein. Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.